vous êtes bien sur notre émission Oui, la vérité blesse. Ouais. Que la vérité. Donc avec Maza TV, la vérité. Ouais. Oui, la vérité blesse. Alors, vous êtes le maire de Strasbourg, c'est ça? Je suis le maire de Strasbourg, c'est Léo Pakata. C'est impossible, il faut passer par les urnes, je suis désolé. Un maire n'est pas voté, monsieur Sire. Je suis désolé, c'est pas un poste ministériel. Non, le maire a été nommé. Pour être nommé? Je suis le maire de Strasbourg pour la communauté congolaise. Moi, c'est Léo Pakata. Tu dis tu es le maire, non, tu es le maire de qui? Tu commandes qui? Je dirige Strasbourg. C'est moi qui dirige la communauté congolaise à Strasbourg. Non, non, tu n'es pas le dirigeant. Je suis désolé. Moi, tu ne me diriges pas. Je ne suis pas présent, mais je suis le maire. Le maire de quoi? Quel maire? Qui t'a voté? Tu vas raconter n'importe quoi. Mais attends, on a une association, non? On sait même pas comment. Moi, c'est Sir Mabiala. Merci, Sir Mabiala. Tu es qui dans l'association? Pardon? Tu es qui dans l'association? Mais je suis pas quelqu'un de l'association. Moi, je suis pas dans votre histoire. Mais tu es congolais? Oui, je suis congolais. Mais seulement, l'association me doit des chaises. Ils mangent un bruit. Ah oui, non, mais c'est... Alors, c'est la vérité, hein, que la vérité. C'est la vérité, que la vérité. Sur notre émission, oui, la vérité blesse. Maza TV, ce qui est vrai, l'association... Voilà, TV. Moi je veux comprendre l'histoire des chaises. Non, je suis désolé, je veux comprendre l'histoire des chaises là. Parce que là, ça va pas. C'est quoi? On a eu un présent qui s'appelait Rufe Binsangu. Dis-moi, pour emprunter les chaises, toi tu fais quoi? T'es quoi? Tu as quoi pour avoir ces chaises là? Parce qu'il y a un problème. Moi j'ai acheté des chaises pour mettre sur mon balcon, c'était l'été. Non, tu plaisantes ou quoi? Mais il y en avait combien? J'avais 13 chaises. Les 13 chaises sur le balcon? Juste 13! Parce que oh mon Dieu! Et il y a un an, il a été remplacé par M. Longi Binanganga. Ouais. Donc, qui m'a nommé le maire de Strasbourg, non, Léo Pakata. C'est pas une personne qui doit te nommer. Mais c'est les membres. Mais attends. On a une association, vous battez du leadership à Strasbourg. Non, ils s'autoproclament. Ils s'autoproclament. Il est comme Sarkozy. Ils s'autoproclament. Maza, parce que vous avez un problème de chaise. Je peux interpeller le président, il est là. Je peux interpeller le président de Binanganga. Voilà. Si je te dis que on reconnaît que tu as donné les sièges à M. Binsangu Ruffin. Non, j'ai prêté à l'association. Mais justement, à M. Binsangu Ruffin. Voilà. Donc, c'est pas à M. Binanganga qui m'a nommé le maire de Strasbourg. Personne ne t'a nommé maire de Strasbourg, je suis désolé. Mais attends. Tu t'es autoproclamé, je suis le maire. Mais toi, ça fait combien de temps que tu es président? Et toi, tu es qui? Moi, ça fait des années que je suis. Non, tu es qui? Comment ça? Tu es qui dans Strasbourg? Moi, je suis un Congolais de Strasbourg. Tu es un Congolais, mais donc toi. Tu me dis, je suis qui? Mais je suis qui? Je suis un être humain. Monsieur Sire, vous occupez pas un poste? Je suis pas intéressé par des conneries. Ils me doivent les chaises. Ils sont venus m'emprunter les chaises, ils m'ont cassé les chaises. Ils ont été incapables de me rembourser les chaises. Ça fait 5 ans. C'est pas normal. Viens voir, c'est pas normal. Faut pas trop expliquer parce que les explications, on en a pas besoin. Voilà, merci. Donc, directement, on doit les chaises, c'est 11 x 13. L'affaire des chaises. Fais-moi les calculs, monsieur le maire. 11 x 13, ça fait combien? L'affaire des chaises. 11 x 13, d'abord. L'affaire des chaises. On est en direct, hein. Voilà, on est en direct avec la vérité blesse. 11 x 13. La vérité blesse, c'est en direct là. Moi j'aimerais bien comprendre. Bien dit. Merci. Moi je ne suis pas le président de l'association. Je suis le maire de Strasbourg. Donc je ne dirige pas des affaires des chaises. Pardon? Mais t'es au courant ou pas? Non mais. J'ai bien précisé. Attends. Il est non. Juste oui ou non? Est-ce que t'es au courant? L'affaire des chaises. Juste oui ou non? L'acteur du mandat de monsieur. D'accord, donc tu es au courant. Pas le président. Si je comprends bien, tu es au courant. Au courant ou pas, c'est officieux. Non, moi je veux juste un oui ou non. Tu es au courant pour les chaises. Officiellement oui, mais pas officiellement. Parce que monsieur Binanganga, va descendre, il va parler. Il est là en plus. Il est là. On va l'appeler, vous inquiétez pas. Monsieur Binanganga à la barre. Vous êtes bien sur notre émission Oui, la vérité blesse, que la vérité avec Maza TV.
Vous allez voir, on est aujourd'hui à Strasbourg. Il y a une grande polémique sur les chaises que Cyr a prêtées à une association disant qu'on l'a escroqué. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est monsieur Wenceslas Binzangou. J'ai été pendant longtemps dirigeant de l'association des Congolais de Strasbourg. Et jusque-là, on n'a pas encore tenu une session, mais sinon... on a grandi, donc on va laisser l'association aux autres. Mais concernant les chaises, je suis responsable, donc j'ai géré la situation de ces chaises-là. Monsieur Cyr, monsieur Cyr, qui prétend prêter des chaises à l'association? Mais nous tous, on a eu à prêter des chaises à l'association, mais on ne les a jamais revendiquées. Moi, je ne vois pas pourquoi. Vous dites ça parce qu'il n'est pas là. Non, mais il peut être là. Vous pouvez l'appeler. Vous êtes sûr? Je suis sûr et certain. Allez le chercher. Continue, ma. Voilà. Donc, nous, on n'a pas. Voilà. Nous, on n'a pas remboursé. On n'a pas remboursé les chaises de M. Chris. Surtout que cette affaire-là dont vous parlez, là, ça date de 3 ans. Vous voyez un peu, 3 ans? Oui, ça date de 3 ans, 2 ou 3 ans. Ça, je vous dis la vérité. Il vous a gardé dedans. En fait. Il nous a gardé dedans, oui, mais pour nous, on pensait qu'il faisait un don. Au début, il avait dit don à l'association. Mais après, c'est quelqu'un qui varie de temps en temps de parole et le don s'est transformé en prêt. Et le prêt, il veut de l'argent. Vous voyez, donc on pense qu'il y a des gens. Par exemple, moi, j'ai prêté ma sono à l'association. Ouais. On m'a volé un ordinateur portable. Au niveau de l'association, puisque j'animais parfois les soirées, parfois les dimanches, puisqu'on se retrouvait les dimanches au terrain de Haute-Pierre. Donc c'est moi qui animais la musique. Et on m'a volé un ordinateur portable. L'ordinateur portable par rapport aux chaises, vous voyez combien ça coûte. Donc pour moi, c'est un faux débat que monsieur Cyr puisse revendiquer le droit qu'on lui octroie. Hein, ce qu'il a donné comme don à l'association. Pour nous, c'est un faux débat. Oui, parce que pour lui, il le considère vraiment, il prend ça comme une grande affaire. Peut-être que M. Cyr, aujourd'hui, il est en baisse. C'est pour cela qu'il veut que vous puissiez le rembourser. Bon, en fait, il y a deux choses qui se passent. Hein. Bon, Cyr, tel que je le connais, c'est un Congolais qui se débrouille bien. Il travaille. C'est quelqu'un qui a l'habitude de s'enorgueillir, ça je le dis. Mais je pense qu'il vous a contacté pour créer une polémique. Mais à toute polémique, vous êtes bien sur notre émission où la vérité blesse. Voilà, donc à toute polémique, nous aussi on répond à une polémique. Donc on est très content d'être reçu par votre belle émission. Et c'est où la vérité blesse. Où la vérité blesse. Et on pense que... Monsieur Ntoumi, on l'appelle Ntoumi ici à Strasbourg. Hein. Ah bon? Oui, on l'appelle Ntoumi. Il donc a changé déjà, de nom. Vous avez déjà le nom qu'il porte. Peut-être déjà, c'est quelqu'un qui a l'habitude de revendiquer. Même pas les chaises, hein. il y a d'autres choses qu'il revendique ici, donc on le connaît très bien. Mais cette émission va nous permettre en fait de mettre la lumière, de faire la lumière sur cette affaire des chaises. Parce que c'est donc, pour une première fois que Mazda TV arrive à Strasbourg. Et on est très content. Très content de vous recevoir, surtout que vous avez très bien animé la soirée, vous avez filmé, vous avez interviewé des gens. Bon, j'espère que ça passera. Et on a entendu même une polémique entre les Parisiens et les Strasbourgeois. Mais nous aussi, on s'habille. Donc vous avez vu comment les Strasbourgeois s'habillent. Non seulement on s'habille, nous, on fait du 3 en 1. C'est-à-dire ? On a des belles femmes, on a des belles voitures et on s'habille bien. Ah bon, donc, vous avez des belles voitures aussi. Bah oui, donc ça ne sert pas de vous... C'est pour cela que, parce que il n'y a que oui, la vérité qui blesse, parce que vous allez voir, monsieur, il dit que il a la belle femme, ça, la belle maison, la belle voiture. Vous pouvez bien filmer, hein, parce que c'est pas des petits trucs, hein. Voilà, venez un peu aussi, et là vous allez bien voir. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, au lieu que vous parlez que ça c'est les Parisiens, ça c'est les gars qui vivent à Strasbourg, différent de Paris, le monsieur c'est un chef de famille. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'aller toucher le coffre, ça se ferme tout seul, hein, avec la télécommande. Ah bon? Ah oui, c'est... Mais peut-être que vous aussi vous avez des sectes privées, parce qu'on ne comprend pas. Non. Que faites-vous de la vie, parce qu'on comprend pas. Mais en France, même si tu touches 1 000 euros, hein, tu es avec ta femme qui touche 1 000 euros aussi,
Vous dites qu'on va donner 500 euros pour le prêt d'une voiture, même si ça coûte 50 000 euros, on va vous prêter. Maza, maza, chez moi ça veut dire vite, vite. C'est la meilleure télévision du monde. Maza TV, Maza TV. Mais Maza TV is the best. Ça veut dire l'eau chez moi. Ça veut dire l'amusement, la joie en pakistanais. Système Sanango, Yako Benadi, Sokalini, comment la trahir. Ce spectacle, il n'est que sur Maza TV. J'ai toujours regardé ça même quand je dors. Ce spectacle, rien que sur OTV. OTV sur l'amusement TV, sur Garçon TV. Maza TV. Water. Yeah, water. Maza TV number one. Number one. Masola, peut-être l'élégance. Maza TV. Maza TV. Maza TV, Maza TV, Fabregas et dit bonsoir. Là, je sais Blas, on dirait de Maza TV. Je confirme, Maza TV is the best. Et si comme un Sola acheté, et ça la taille. Maza TV. Sola, oui, il y a 40 ans. Et tout le monde m'en va faire. Continuez à nous promouvoir et puis continuer à promouvoir la musique africaine et les artistes. Maza. Donc c'est une confiance qu'on a envers notre banquier. Ça fait 20 ans que je suis en France, donc ça fait 20 ans que je suis fidèle à ma banque, et ça fait 20 ans qu'ils savent que je peux rembourser ce que je peux prendre comme prêt, comme crédit. C'est rare de voir des Congolais qui ont ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui on voit les gars de Paris, ils ont des vieilles voitures, parce que c'est Maza qui le dit, parce que le monsieur, il a bien montré sa BMW et hors série, hein, parce que il n'y a que la vérité qui blesse. Voilà. Regardez comment elle s'ouvre, hein, parce que Maza peut même dormir dans la voiture, il peut même rentrer à l'intérieur. La ligne n'a ça là, n'a su sa polémique. Voilà. Pour la coupe, benga muto aloba qui badlia qui est chaise. Oui. Ouais. Ah, tu as dit que tu as dit que tu as dit voilà, tu t'es plein là. Yo cavalier, yo chaise, na kati à Strasbourg, association Anna, bazoyer. Voilà, moi je sais que vous connaissez. Ouais. Le problème est que lui, il dit depuis tout à l'heure, hein, il n'a pas arrêté de dire à celui qui t'a remplacé, je sais pas c'est comment. C'est même pas un remplaçant. Il s'est oui. Autoproclamé que c'est le maire. Ok, ok. Bon, le maire ou pas le maire. En fait, ce qui est sûr. Ouais. Toi, tu as dit. Je vous ai donné des chaises. L'association me doit vous des chaises. Vous m'avez jamais. Non, vous, non, je vais vous expliquer. Vous les, moi, j'explique pas, non, rien. Je vous dis la vérité. Qui s'explique? Je vous dis la vérité. Parce que la vérité blesse. Vous savez, lorsque on a pris l'association des Congolais de Strasbourg, ouais. On n'avait même pas un vélo. Hein? Voilà, on n'avait même pas un vélo, monsieur Sire est témoin. Lorsqu'on a pris l'association de Strasbourg en charge, on a mis à la disposition des Congolais de Strasbourg un véhicule. Ouais. Donc c'est parce que le véhicule n'est pas là, mais sinon vous devez le voir, c'est marqué sur le véhicule Association des Congolais de Strasbourg. Ouais. On a mis le véhicule en place pour aider tous les Congolais de Strasbourg. Ouais. Donc si vous avez en plus c'est une façon de vous dire que on voilà. Est à Strasbourg. Donc, voilà. Et à Strasbourg il se passe beaucoup de choses, voilà. Hein. Malgré les chaises, mais il y a aussi une association, voilà. Donc on en même temps on très, profite, hein, voilà, les gens qui sont pas au courant pour Strasbourg, on va en profiter de lancer l'histoire. C'est parce que le véhicule n'est pas là. Si le véhicule était là, j'allais vous montrer le véhicule. Maintenant, au niveau de l'association, il y a des gens qui nous ont fait des dons. Est-ce que vous me voyez? Et vous, ça, vous me suivez? Il y a des gens qui ont fait des dons. Et parmi ces gens-là, Monsieur Sire, qu'on prénomme Doumi ici à Strasbourg. Voilà, hein, il a fait partie. Il a fait partie des gens qui ont pensé donner des dons. Oh mon Dieu. Là, ça change les données là. Je savais pas que les données changent. Je savais pas que ces dons là. Je n'ai jamais fait un don à l'association des Congolais à Strasbourg. On est venu m'emprunter les chaises chez moi en disant, en se faisant passer pour une association des Congolais. Attends mon frère. Excuse-moi. Dis-moi, pour emprunter les chaises, toi tu fais quoi?
T'es quoi? Tu as quoi pour avoir ces chaises-là? Est-ce qu'il y a un problème? Moi, j'ai acheté des chaises pour mettre sur mon balcon, c'était l'été. Non, tu plaisantes ou quoi? Mais il y en avait combien? J'avais 13 chaises. Et 13 chaises sur le balcon? Juste 13! Parce que j'avais Dieu! J'ai un balcon qui je regrette. 13! On se plaint pour 13 chaises! Madame, je vous dis encore quelque chose. Oui, oui. Donc, parmi. Je suis perdu, sérieusement. Pour 13 chaises, je suis désolé. Oui, oui, mais quand même, 13, c'est abusé quand même. 13, c'est vite fait. Tu les donnes à tes compatriotes. Il n'y a pas de problème. C'est une association. J'ai prêté. Ils sont venus m'emprunter les chaises. Madame, s'il vous plaît. Oui, je veux bien. Il y a une maison de retraite qui nous a prêté 30 chaises. Et qui nous a donné. Une maison de retraite qui nous a donné 30 chaises. Oui. Et moi, j'avais mon ordinateur portable que j'utilisais pour mettre la musique. Parce qu'on se réunit chaque dimanche. Voilà, c'est pas grave. On se réunit chaque dimanche au stade de Haute-Pierre. Il y a un stade là-bas où tous les Congolais se réunissent chaque dimanche. Comme dans toutes les villes de France, il y a des Congolais qui se réunissent les dimanches, habillés, tout. Toujours sur Maza TV, voilà. Hein. Donc, la vérité blesse, voilà. Grave. Voilà. Et ça, c'est Somawa. Moi, j'ai mis à la disposition de l'association des Congolais de Strasbourg, Massono, personnel. Tu t'es présenté? C'est M. Binsangou Wenceslas. De temps en temps. Vous pouvez présenter. Monsieur Ntoumi, c'est un membre. C'est un membre actif, Monsieur Ntoumi. Monsieur Sir, c'est un membre actif. En plus, c'est un membre. Un membre actif et généreux. Mais qui aujourd'hui pour Non, je suis perdu là. Là on parle pas de la On va où là? Mais il y a un problème. Ils ont cassé mes chaises. On s'en fout, tu es dans l'association à un moment. On peut faire un don. C'est pas pour 13 chaises. On est venu m'emprunter des chaises. J'ai abusé quand même 13 chaises. Moi en fait, en plus, je savais pas qu'il y avait que 13 chaises. Moi j'ai cru qu'il y en avait 50. Oh mon Dieu. Mais il fallait en parler. Voilà. La minute yo to comment yo ba ndenge ne bazolo ba la vérité blesse voilà ils a bien la vérité blesse. Non, tu pars pas, je suis désolé. C'est Robert Braza avec maman ici présent. On vous le dit à deux, Mother's TV has always been the best. I'm Braza is maman, and I say it again, Mother's TV has always been the best. Stay tuned, this is the TV channel you should watch. Maza TV, continuez dans ce sens et merci encore de ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Bonjour à Maza TV, bonjour à tous les téléspectateurs de Maza TV. Et c'est une grosse ère ici, by Maza TV to sign. Maza TV, peace and love. Maza TV, c'est la différence qui fait la référence ou la référence qui fait la différence. Effectivement, donc, il y a un membre de l'association qui est venu chez moi, me dit voilà, écoutez, on a un Kouka Jean-Claude est venu à la maison en me disant voilà, écoutez, on a besoin des chaises pour l'association. Non, mais laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. L'association lui a demandé des chaises parce qu'il n'y avait pas de chaises. Il est venu chez moi, il m'a pris les chaises. Je l'ai prêté les chaises. Il est venu. Mais ça fait combien de temps que vous êtes à... Ça fait 5 ans que je réclame mes chaises. Non, que vous êtes à Strasbourg. Ça fait plus de 10 ans que je suis à Strasbourg. Et l'association s'est ouverte il y a combien de temps? Oh, il y a peut-être une. Ouais, ça, c'est possible une dizaine d'années, ouais, quelque chose comme ça. Ok, ouais, ça se comprend. Ça fait à peu près 10 ans. Parce qu'à l'époque, on jouait au polygone. Et après, on avait changé. D'accord. Et puis. Donc, le peu de chaises, ça fait combien d'années? Là, ça fait peut-être bientôt possible 5 ans. Non, 5 ans. 5 ans, il a dit. Dans 4 ans, mais pas 5 ans. Ça fait des années quand même. Ans, ouais. Oui, ça fait des années que l'association est venue m'emprunter des chaises. Ouais. Et puis, j'ai réclamé mes chaises. En fait, pour répondre à sa question, ces chaises-là, au départ, c'était même pas prêté à l'association. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un membre de l'association qui a fait une fête chez lui. Et il a demandé des chaises à monsieur Cyr. Donc les chaises sont parties chez monsieur Jean-Claude. Au départ, quand voilà, il vient chez moi, c'était même pas un prêt direct. Excusez-moi, monsieur Binsangou. Est-ce que vous me comprenez? Quand il vient chez moi, il se fait passer pour l'association. Non, il avait sa fête. Moi, je donne les chaises en me disant dans ma tête que c'est pour l'association. Donc je fais ce geste. Il n'était même pas membre du bureau. Donc c'était. C'est qui monsieur Kouka? Mais c'est un membre simple comme lui. Qui faisait même pas partie du bureau, qui a fait une fête chez lui,
et qui a demandé des chaises à M. Ntoumi. TV Maza TV is the best. Maza TV is the best. Maza TV is sweet. C'est vraiment le top. Il n'y a pas deux. Yeah. Je vous souhaite des bonnes choses, quoi. Suivez-le. Restez branchés. Maza TV is the best. Beaucoup de bonheur, de joie, de prospérité et une très très bonne continuation. Maza TV, j'ai l'habitude de regarder vos vidéos, de la sapologie. Maza TV is the best. Restez branchés. On adore. Votre émission, oui, la vérité. Soyez scotchés. Non. Bien sûr. Non. Monsieur Ntoumi, tu peux me demander, tu peux me demander. Écoute, prête-moi ta voiture. Je dois accompagner quelqu'un. Je fais un geste. Et je te fais le geste. Non, oui, non, bien non, sûr. Non. Ou bien on parle français, ou bien on parle pas français. Moi, quand quelqu'un me dit fais un geste, ça dit que, par exemple, il y a quelqu'un qui est mort, il faut cotiser, il faut faire un geste. Bon, non, on cotise. Mais quelqu'un qui me dit que je fais un geste, pour moi, c'est pas une sorte de participation. Que, voilà, c'est voilà, un il a participé à la veillée de. J'ai accepté de lui donner les chaises. Et le problème, quand ils se sont entendus pour qu'il donne les chaises à M. Nkuka, je lui prête les chaises. Est-ce que il a prêté les chaises à M. Nkuka? Oui. Donc il n'avait pas prêté les chaises à l'association. Kouka m'avait dit qu'il l'emmenait au stade pour l'association. Ah, je non, dis non, bien non. Pour l'association. Non, M. Ntoumi, moi je suis conscient. Moi, j'ai dirigé l'association pendant 5 ans. Je vous dis, madame, ouais. les chaises, lorsqu'il les a prêtées à M. Nkuka, les chaises-là ont fait au moins 2 semaines chez M. Nkuka. D'accord. Avant que ces chaises-là sortent pour aller à l'association. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient conclu entre le prêt et l'autre-là. Mais nous, on sait que les chaises-là, M. Nkuka nous les a ramenées plus tard. Okay. En disant que c'est M. Ntoumi. C'est une question qui me les ramène chez moi. Mais il n'a pas et ramené les chaises. Les chaises se sont déplacées, sont arrivées à l'association et ils ont cassé mes chaises. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai retrouvé aucune chaise. Alors, moi, je demande aux membres qui font partie de l'association qu'ils essayent de voir. Qu'on fasse. Voilà, je suis madame, dans mes droits. Madame, ça, je vous le dis. C'est un arrangement. Si tout le monde. Hein? Si tout le monde se met à revendiquer ce qu'il a fait comme prêt ou don au niveau de l'association, c'était pas un don. L'association va s'adopter. Non. Lui, il a bien précisé exemple, que c'est pas un don. Par exemple, c'est moi, je vous. Non, mais ça, c'est ce qu'il vous dit. Oui. C'était hein? pas un don. Il veut se faire un nom au niveau du Maza Télé. Ok, Maza TV. Maza TV. Maza TV. La vérité blesse. Toujours. Aussi que l'association des Congolais a le droit de réponse au niveau aussi de Maza TV. Et on est des dirigeants responsables. Hein? Qui avons donné plus que ce qu'il dit, 13 chaises, c'est quoi, par rapport à un ordinateur portable? Voilà. Vous pouvez faire la différence entre 13 chaises et un ordinateur portable? Il y en a qui ont donné plus. Voilà, il y en a qui ont donné alors, plus. Alors, mon frère, je pense que ça sera difficile que ça s'arrête. Moi, le conseil que je te donne, je ne sais pas si je peux conseiller. Plus. On a des gens qui ont prêté plus que ce qu'il dit là. Toi, si voilà. Donc, s'il a besoin d'argent, qu'il sache. D'argent. Mais oui, moi je le connais que. Je le connais qu'il n'a pas un problème d'argent. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Ntoumi n'a pas de problème d'argent. Voilà. Vous l'avez je le connais très bien. Avant qu'il ait dit, j'ai dit ça à mon frère de Mazati. Voilà. Que Monsieur Ntoumi. Le dernier mot vous revient. Voilà, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Vous avez tout expliqué. Et on va voir. Il veut lancer une polémique. Ok, non. On va écouter le dernier mot. Tenez le micro. Dites-nous ce que vous voulez. Vous avez donné des chaises gratuites, pas gratuites. On n'est pas là. Dites-nous ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui parce que. Fais un don et la vérité blesse. Là, ça va aller partout. Là. C'est la vérité, ça blesse. Monsieur Ntoumi, ça fait que vous êtes responsable si vous dégradez l'image de l'association des Congolais de Strasbourg.
CND Media just to get my computer fixed because it's, you know, the hard drive is knackered. I don't know what was wrong with it, but he seemed to fix it straight away. So he's pretty cool, pretty good service, pretty good shop. You know, pretty knows what he's doing, fixes Apples and fixes PC, so it's cool. And I found out he does websites, builds a computer for you. He does any problem, you can come to him with your computers, and he's really friendly and knows what he's talking about. So I'd always recommend PND Media for any computer related problems. Do you have difficulties communicating? Is language a barrier? Look no further than Translation 7. Translation 7 provides professional translation and interpreting services to meet all your language needs. Translation 7, interpretation made simple. La translation, c'est notre travail. Nous traduisons tous les documents. Le prix n'est pas un problème. Nous sommes partout en Angleterre. À Leeds, comme vous le voyez, adresse est là-dessus. Translation 7 vous attend. Translation 7 is the best. Translation 7, muito, muito, muito obrigado. Translation 7, yaganaga. Ce qui est sûr, c'est que vous risquez d'être poursuivi en tant que membre. Ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai jamais fait un don vous risquez d'être de ces chaises-là. Je dis à qui veut l'entendre, j'ai jamais fait un don. Alors, mon souhait serait que mes chaises reviennent chez moi. C'est tout ce que je veux. Qu'est-ce qui montre la BM? Donc à compter de ce soir, j'aimerais récupérer mes chaises, si possible. Voilà. Chaises bétimes. Alors vous êtes bien sur notre émission Oui, la vérité blesse, que la vérité, parce que vous êtes en direct de Maza TV, la chaîne privée. Donc monsieur Sire, il dit qu'il réclame ses chaises. Donc votre dernier mot. Voilà. Notre dernier mot. Et ça, on le dit à toute âme et conscience. Hein? Monsieur Ntoumi a participé activement à la vie de l'association des Congolais de Strasbourg. Quel Ntoumi? Guerrier de. Non. Non, c'est Monsieur Sire, mais il est ici. On l'appelle Ntoumi. Ah, d'accord. Et quand on voit quand on entend le nom Ntoumi, c'est quelqu'un de généreux. Donc c'est une polémique pour moi qui n'a pas sa raison d'être. N'a pas de sens. Bon, maintenant, s'il veut de l'argent, s'il veut un remboursement de ces chaises. Ils ont été l'association déjà est en pleine difficulté financière. Hein? Donc on ne peut pas lui rembourser ses chaises. On ne peut pas lui rembourser ses chaises. Donc même pas pour l'instant. Parce que en ce moment, l'association, je peux vous dire entre parenthèses, pour l'instant, n'existe presque plus. Quand vous êtes séparés de. Non, on a un problème de gouvernance. Il y a eu détournement d'argent. Non, pas détournement, mais les responsables. Détournement d'argent. Non, personne n'a jamais détourné l'argent, sinon ça se serait su. Nous sommes une association qui est régie et qui est reconnue au niveau du tribunal de grande instance. Donc s'il y a détournement, il y a des prisons à faire. Hein? Donc on est des responsables, on va s'expliquer auprès des hautes juridictions. Monsieur Ntoumi, s'il peut associer à ces hautes juridictions pour nous porter plainte, mais qu'il le porte. Et où on l'attend, à pied ferme. Et pourtant vous avez bien commencé votre association, mais là vous êtes à fin de... Oui, mais comme dans toutes les associations, vous savez, en sociologie, hein, on dit qu'il vaut mieux diriger un petit groupe qu'un grand groupe. Nous étions un groupe de près de 250 Congolais à Strasbourg. Donc c'était un groupe. Les cotisations étaient de 30 euros par an et on apportait de l'aide à tous les Congolais de Strasbourg. Mais à un certain moment, avec les difficultés financières dont nous connaissons maintenant, les gens ne peuvent plus cotiser.
Donc les gens ne peuvent plus, l'association ne peut plus subvenir aux besoins de l'autre là. Donc monsieur Ntouni, moi j'ai un dernier mot à dire. Est assez apte pour dire qu'il fasse un don à l'association. D'autant plus qu'il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier à donner des dons à l'association des Congolais de Strasbourg. Voilà. Nous on a mis un véhicule à la disposition des Congolais de Strasbourg. Un véhicule parfois que j'ai réparé par mes propres frais. Mais quand vous parlez que l'association a un problème pour donner 30 euros et pourtant vous vous habillez cher. Oui, mais vous savez, lorsque on s'investit pour un groupe, hein, lorsque on s'investit pour un groupe, il y a que c'est le groupe. On veut faire plaisir à d'autres personnes. Moi je vous dis, il me connaît. Les investissements que j'ai eu à faire ici au niveau de l'association des Congolais de Strasbourg, tout le monde me connaît à Strasbourg. Le nom de... Monsieur Wenceslas Binzangou, vous demandez, partout, on me connaît. Et on connaît les investissements que j'ai fait à Strasbourg. Et à un certain moment, j'étais essoufflé. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu donner la main à d'autres personnes qui le dirigent. Il est en train de pleuvoir là, je ne vais pas me mouiller là. D'accord, on va prendre une fois. Mes chaises, à partir du moment où il me dit que l'association est en n'est plus en état d'exister, c'est pas un problème pour moi, je suis pas à 13 chaises près, je fais un don. Voilà. Il faut aussi savoir, monsieur Sire, voilà. Il a eu 13 chaises voilà. Parce qu'il avait un grand balcon chez lui. Merci. Voilà. Merci.